Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec deux icônes de YouTube, mais de différentes générations. Nous avons Audrey, Dazmingo, Paola, Paola Locatelli. En gros, on représente un peu trois générations de YouTube. Je sais, ça me brise le cœur de dire que Paola, c'est la nouvelle. Eh oui, toi par contre, je suis désolée, mais t'es une ancienne. Tu sais que ça me casse vraiment le cœur de dire que c'est la nouvelle génération. Moi, quand j'ai commencé les vidéos, je m'inspirais un peu de la génération d'Audrey. Bon, après aux États-Unis, c'est ça en fait qui pousse à faire. Vous c'est sorti d'où en fait? Parce que du coup, vous n'avez pas. Vous connaissez ou pas Julie Loves Mac? C'était vraiment genre première à faire. Non, en France, c'est vraiment la première à faire des tutos et tout. Et j'ai grave kiffé après. Et moi, en fait, je me suis inspirée de Antonin, tout ça. Donc... Oh, le but, c'est d'affronter les trois générations. Alors, faut qu'on sache qu'on n'est pas une généralité de YouTube, pas du tout. On va faire des challenges et des quiz pour voir qui est la meilleure génération sur YouTube. On va commencer par un quiz de culture de YouTube. On va envoyer par message les réponses à Bilal. Attendez, la question est longue à poser, donc vous inquiétez pas. Et vous allez devoir me dire qui de ces trois YouTubeurs a plus de 10 millions d'abonnés. Squeezie, Norman et Cyprien. Vous avez tous une bonne réponse. Je suis une jolie blonde, mes vidéos les plus connues sont Si Barbie était vivante, Éviter de se faire aborder dans la rue, Qui suis-je? Natou, Andy Raconte ou Nad Richard? Ah non, j'ai écrit sur les clients, Steve, PDR, Bitch, seriously? Natou! YouTube a été créé en quelle année? Je sais pas. Aucun de vous trois a eu la bonne réponse. 2005! Ouais. 2004, moi j'ai répondu à cette question dans ma dernière vidéo. Oh, mais on s'exporte un petit peu à l'international. Oh non, non, pas ça. Non, mais pas ça. Non, mais quand même. Quel est le plus gros événement annuel de YouTube? C'est pas le truc à Netflix, vous avez pas la semaine dernière, c'est pas ça. Et jusqu'à une fois. Je sais pas, c'est pas le nom. Avec Netflix. Non, mais c'est le truc à Netflix qu'ils ont pas à Los Angeles là. Donc vous avez 2 points. Oui. T'as dit Netflix. Non, j'ai 3 points, j'en fiche. Non, désolé, ma fille. On te donne 0,001. Une question qui risque d'être facile pour les pionniers, mais peut-être un peu moins. Mais pas mal, t'inquiète pas, reste fort, tu vas y arriver. Quel est. Je sais. Là, je regarde. Facilement, le youtubeur ayant le plus d'abonnés. Ah, c'est PewDiePie. PewDiePie, je te veux. I chose you. Mais elle a bien écrit. Ah, bravo. Ah non, non. Elle a écrit quoi? Elle a dit PewDiePie. Non, mais elle a le point quand même. Oui, elle a le point, bien sûr. Dans la génération de youtubeurs, la vague de youtubeurs de Antonin, c'est-à-dire la vague de 2013-2014, quel est le dernier youtubeur à avoir été certifié sur Instagram? Non, mais c'est bon, elle a répondu, elle a fait la bonne réponse. Elle a dit Sandy Jules. Sylvain. Désolée, Jules, mais après. Du coup, ça fait 0,5 quoi. Ça veut vraiment 0,5 du coup. Non. Quoi, 0,5? Mais toi, t'es depuis quand sur YouTube? La semaine dernière. Non, mais il est arrivé une semaine, il fait les questions. Non mais, j'ai percé il y a une semaine, ma sœur. Ce youtubeur a gagné 5 millions d'abonnés cette année. Qui est-ce? En France? Dans le monde. Bref, je sais pas. Non. PewDiePie. J'attends quoi, PewDiePie. C'est PewDiePie, ma puce. Ah, c'est PewDiePie. Oui, PewDiePie. Antonin a le point. Yes. Car c'était Rice Gum. Citez-moi 2 youtubeurs qui étaient cette année sur le YouTube Rewind 2016. De France. De YouTube. Mais au pif. Paulix pense qui serait éligible. Mais tu m'as rien envoyé. Elle m'envoie pas. Envoie-moi. Non, je sais pas. J'ai les gros arts. Non, mais je pense que c'est le plus gros youtubeur de France. Ok. Et bien il s'avère que vous avez tous les trois des points. Attends, mais elle a écrit combien de youtubeurs, Paola? Avec Cyprien et Norman. Il n'y a pas Norman. Il y avait bien Sananas. Ouais. Il y a Sananas, Cyprien et Norman. Et comme vous le savez, cette année, le Victoria's Secret Fashion Show avait lieu à Paris. Oui. Une seule influenceuse a été invitée. Non. Qui est-ce? Izzy. Ouais, j'ai vu un truc. Même qu'à la classe, youtubeuse française. Fait, you know, ouais, bon, c'est bon là. Sananas aurait-elle fait de la chirurgie plastique? Elle a dit d'ananas. Mais non, mais c'est mon correcteur. C'est mon correcteur. Oui, parce que d'ananas c'est un mot. Ton correcteur il corrige, il aurait mis ananas. Non, mais là on peut pas te compter le point parce que j'ai tout dit. Enjoy Phoenix a participé à Danse avec les Stars. Ouais. Dites-moi à quelle étape elle a été éliminée. Aucune idée. J'ai le temps de lire un petit article. Non, j'ai. S'avère que
Seulement Audrey avait la bonne réponse. Ah, c'est sa pote. C'était la demi-finale. Ouais. Mais c'est ce que j'ai mis. T'as mis semi-finale. Mais merde, mais je voulais dire demi-finale. You wrote semi-finale. Mais semi, ça veut dire quoi alors? Oui, demi-finale en anglais, on dit semi-finale. Bon, il s'avère que Antonin a gagné. Mais il s'avère que c'est assez serré avec Audrey parce que vous avez seulement un point de différence. Tu m'as compté demi-finale? Non. On a 2 points de différence. Tu as 8 points, 7 points pour Audrey. Cool. Et 4,01 pour Pamela. J'ai trop de la peine. Non, après, j'avoue que c'est logique que tu vois, bah oui. Elle est nouvelle, c'est normal. Elle est en 2004, ma soeur. Elle avait un an quand YouTube a été créé. T'es lesquels mois? Mars. Oh, c'était en février 2005, donc elle avait encore genre 11 mois la meuf. C'était un bambin. T'es vraiment l'enfant de YouTube en fait. Il t'a couché. Passons au challenge. Donc, changement de tenue, mais on est la même journée. Posez pas trop de questions. Je devais se préparer mentalement par rapport à ce challenge. Chacun son tour, on devra en 3 minutes choisir un lieu où on devra faire une photo Instagram et qu'on devra retoucher en 3 minutes. En fait, on devra avoir la meilleure photo parmi nous trois en 3 minutes chrono. Ouais, voilà. Et les juges seront Thomas et Clara. Modèles Instagram, des icônes, donc nous comptons sur eux pour avoir un très bon jugement. Et c'est pas gagné parce que là en fait j'ai pas gagné. Donc c'est Audrey qui va commencer parce que voilà, ancienne génération oblige. Ancienne. Forcément, je vois pas la logique, mais. Bah, mais c'est logique, ancienne. Oui, bon, je commence. Tu vois, c'est comme ça la vie. 3, 2, 1. Bah attends, faut que je bouge moi. Je pense qu'elle va le faire vous. Je sais pas. Salle de bain, je pense. Mais je crois pas que ce soit un bon bail parce que j'ai déjà essayé les salles de bain. Vas-y, vite. L'éclairage, il est dégueu. C'est vrai? Non, c'est il est horrible l'éclairage. Hein. Attends, c'est bon, bouge pas, bouge pas. C'est bon, je dois retoucher maintenant, c'est bon. Non, mais oh, il est voisin, non? T'es sérieux là? Mais je te dis, l'éclairage est dégueulasse. J'aime ça. Combien de minutes? 2 minutes, 15 secondes. Oh, okay. Mais juste un filtre et puis voilà. Non, mais je vais l'éclaircir un peu. Tu vas le faire vous. Toi? Je sais pas. Ah bah pourquoi je vais pas te dire? Non, on dit pas, Mais j'ai envie de te dire. Moi aussi, j'aurais pu. Non, t'as envie que je te dise? Oui. Attends, si je te dis, tu me promets que tu fais pas la même? Non, promis. Peut-être pas. J'ai l'idée, donc soit dehors, soit ici à la fenêtre, en mode avec les gens. T'as pas le droit, y aller. Voilà. T'as vu, il est top. Hein. Hop. Moi j'ai fini. Hein. Mais c'est bon, non? Ouais. Ouais. Ok. Je sais pas comment je fais pour courir là-dedans. En plus, ça me bouscule. Est-ce que je leur montre ou pas? Ou je leur montre après? Bon, bah voilà. Je sais pas, j'ai fini. Il te reste 1 minute 20 pour éditer. Ah, oh, bon, bah ok, j'avais déjà fini. J'ai eu trop peur qu'il y ait aucune de moi en même temps. Chou. Maintenant, c'est à moi. J'ai une petite idée, on va le faire. Je suis sous. J'ai dit ouais. Oula, my god! J'ai trop voulu faire ici, mais pas de. Bah, vu qu'on l'a pas fait, tu vois. Nous, on pourra pas faire une photo dans tous les cas, vu que tu as déjà fait. Salut! Hey! Je fais gaffe, c'est quoi, tu fais quoi là? Wesh! Mais il est malade, c'est quoi ce quoi? Tu fais comme comment, comme ça? Avec ça en fond? Là, on va trouver une vidéo en 3 minutes. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas. Un bafou bisé. Pourquoi il y a un flash? Tu penses que c'est bien sans flash? Bah je pense c'est mieux parce que c'est déjà bien éclairé. Pourquoi il y a un flash? T'as mis make-up? Mais pas de flash, attends. Mais je l'ai enlevé. Bah en fait non, non, mais j'ai pas. Bah si tu laisses parler Antonin, on t'adore. Voilà, Antonin, on t'aime. Bisous. Hey, meuf, elle me regarde archi bizarre, mais de ouf. Au pire, mets-toi sur le toit carrément. Vas-y, regarde-moi. Aïe aïe aïe. Non, comme ça, qu'on veut comme ça. Genre ça en fond. Ouais.
Magnifique ton son, putain. 2 minutes. C'est bon. Et je vais en faire une autre en cas. Santé, santé, santé. Vas-y. Santé, santé, santé. Avec la pause et tout. Vite, vite, vite. Edit. Edit ici. Il reste combien de temps? Il reste 30 secondes. Non. Non, c'est 3 minutes, ça c'est pas 2 minutes. Oh merde, mes cheveux ils ont pas de volume. Concentration max. Et honnêtement, elle a du potentiel. Ouais. C'est bon? Ouais. C'est bon, c'est bon. Avec l'espèce, je vais faire un drame. Moi, ce qui m'a choqué, c'est la meuf qui faisait la vaisselle en face. C'est très bien de faire l'un. Bah, en soi, elle peut parce que nous, on pourra plus faire de photos. Bon, Oh, réaction à 1 million d'abonnés. Je fais comme ça. Oh. C'est moi ça. C'est moi ça. C'est bon. Tu veux utiliser quoi, VSCO Cam, FaceTune? Attends, c'est mais je suis horrible dans toutes les photos. Tu veux laquelle? Oh mon dieu. Non, mais elles sont horriblement cadrées, Thomas. Non, mais je vais la retourner. Non, je vais pas la retourner. Impossible. Vous savez. Non, non, laissez tomber. Attends, changer de profil, tu veux carrément. Comment ça retourner, genre à l'envers? Non, si on lui laisse du temps parce qu'elle est pas son tel, mais il est où ton tel? Ouais, elle est bien. Ça me fait trop de la peine parce qu'elle a pas son tel. Mais elles sont toutes moches. Bon, bah, faut. Bah, prends-en une dans cette fille. Ta dernière chance, tu peux en prendre qu'une. Non, elle faut vivre. Je vais arrêter de me regarder. Non, c'est bien ça. Dégueulasse la photo, ne regardez pas si vous voulez. Quelle bégaye. C'est trop chou. Ah, dégueulasse. Je l'ai fait qu'une fois et je l'ai fait pas. Je reste pas. Je crois que c'est ça. Là. Qu'est-ce que tu dis? Ah ouais, c'est juste chapeau foncé. Oui, c'est sympa. Non, j'aime pas. C'est pas possible, la photo elle est horrible. Non, elle est bien. Ah. Et voilà, c'est fini. Bon bah. Nous on repart en fait. Putain, mais elles sont souvent, je sais pas. Celle-là, du coup, il est trop sombre. Ouais, mais j'ai l'air de ça fait un ton violet, genre. Du coup, le problème, c'est que on voit pas la différence entre sa tête et sa tenue, ouais, tu vois. Tandis que lui, bah, c'est bien retouché, mais au fond. C'est pas un peu là, bizarre, genre. Ouais. Mais ça passe, hein. Ses cheveux, là. Ça fait photo de soirée, hein. J'avoue, j'ai même pas cramé. Et il a une mèche, genre, ça fait une corne. On dirait que ça vient de sa peau et ça. Et attends, il y a celle-là aussi. Elle est trop chaude. Genre c'est naturel. Ouais. Est... Elle est hyper saine, c'est bizarre de trouver. Entre les trois. J'aime bien celle d'Antoine. Mais je sais pas. Elle a le mérite d'être naturelle. Ouais. C'est pas joué. Elle doit être trop gros. Hein? T'es bon. Mais Antoine, elle est trop belle, celle d'Antoine. Même celle d'Antoine, du coup, j'ai pas vu. Ok. Elle est cool. Il se passe quoi là? On va essayer de faire des commentaires pour voir. Oh non. Je commence par celle d'Antonin. On a dit les tops, en gros, c'est la retouche. Genre les couleurs, ouais, c'est bien. Ouais. C'est pas un bon petit contraste. C'est trop les mecs, genre. Ouais, on dirait Tyra Banks. C'est la photo, genre, tu vois, le fond, il est pas. C'est fou, genre, arrête. Tu vois. Mais moi, je trouve que ça fait aventurier, genre, ça Moi, ce que j'ai aimé, c'est genre la couleur, ça fait un peu genre violine autour, genre. Genre, j'aime trop. Un peu l'été de côté quand on est sévère, je sais pas comment dire. Ouais, exact, exact. Bah, le flop, c'est la plupart la lumière. Non. On la voit pas, elle est noire, noire, elle est noire. Le top, c'est le fond. Non, mais le flop de fond, tu vois. Le naturel, c'est bien. Elle a fait dans la photo, c'est bien. Et c'est spontané, c'est bien. Ouais, c'est naturel. S'il y a juste un flop, c'est ça, c'est plus gros que ça. Ouais, c'est ça. En suspense,
Et après délibération, on a décidé que la photo qui était gagnante, c'était Paola. Ah, je le savais. Du coup, verdict de la vidéo entière. Je pense qu'on est tous plus ou moins ex-aequo. En tout cas, si la vidéo vous a plu, mettez un gros pouce bleu. Et allez voir la chaîne de Audrey, de Paola et après de nos juges. Enfin, de l'Instagram de Thomas. Ma chaîne. Si vous voulez une autre vidéo avec Audrey et Paola, mettez-le en commentaire parce qu'on en a filmé deux. Et si vous voulez qu'on les poste, faut nous le dire. En tout cas, on se dit à très très bientôt. Bye. Bye.